grâce au projet PEPS, nous avons pu accueillir deux stagiaires en janvier à mars 2016 qui ont travaillé sur le fonds ancien. Donc pour resituer le contexte, ce fonds ancien est un petit peu le fleuron de la bibliothèque d'Alfort. On compte à peu près 2500 livres anciens proprement dit. Vous savez que la notion de livres anciens, ça s'arrête en 1814 pour les bibliophiles et les bibliothécaires. Au-delà, on parle de vieux livres, mais pour des questions de papier, on n'est plus dans du livre ancien. On a également un énorme fonds 19e. Donc au total, on arrive à peu près à 7000 ouvrages qui ne sont pas du fonds courant, donc du fonds utilisé par les étudiants. Donc en partie, notre fonds a été numérisé par la Bibliothèque interuniversitaire de santé. C'est ce qui concerne le véritable fonds ancien. À peu près 200 titres sont visibles sur la base Medica de la BIUS. Et le fonds 19e, lui, pour des raisons, parce qu'il est plus facile à numériser en masse, étant moins fragile, avec moins d'illustrations, est numérisé par la BNF dans le cadre du projet Gallica. Ce qui fait qu'une bonne partie maintenant de notre fonds est numérisée et consultable à distance. Ce fonds ancien avait été catalogué il y a une quinzaine d'années, je crois, par Christophe de Goers et des étudiants vétérinaires dans le cadre de projets patrimoniaux auxquels sont parfois associés les étudiants, qui ne sont pas que des gens intéressés par leurs études, qui peuvent faire d'autres choses. Mais il avait été catalogué de façon très sommaire. C'est-à-dire qu'il y avait eu des coquilles dans la saisie, ce qui peut arriver quand on fait ça rapidement pendant un chantier d'été, avec donc des erreurs dans les titres, ce qui empêche du coup de les retrouver, et surtout plus grave, souvent le titre qui avait été reproduit n'était pas le véritable titre, mais était celui qui était écrit sur la reliure, donc parfois un titre tronqué, ou bien un titre mis artificiellement sur un recueil factice qui ne correspondait donc pas vraiment à la réalité des ouvrages en notre possession. Ce qui fait qu'un petit peu avant le projet PEPS, donc, Romain Ménini a commencé un inventaire photographique du fonds 16e, ce qui a permis d'établir la liste que vous avez entre les mains en ce moment, avec donc, les titres exacts des ouvrages, avec le détail de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est relié de la même manière et qu'est-ce qui, en fait, des ouvrages différents. Si je peux me permettre juste, c'est une grande faute. J'ai travaillé à partir du travail préliminaire de Charlotte de Tresse, qui est une étudiante d'accord. Mais qui est ici. Et j'ai oublié de la remercier, ce que j'aurais dû faire immédiatement. Donc je la remercie maintenant. Très bien. Donc on a réussi à obtenir deux stagiaires dans le cadre du projet PEPS, qui étaient deux étudiantes de l'Université Paris-Descartes en licence professionnelle métier du livre, Lou Ramrani et E.A. Chartier, qui donc ont réalisé diverses choses autour de ce fonds 16e et le fonds 17e également. Donc dans un premier temps, il y a eu la correction de notre catalogue qui s'appelle Kentica, qui donc est le catalogue accessible quand vous tapez Bibliothèque Alfort sur Google, ça vous amène vers ce catalogue. Donc la correction, non seulement des coquilles éventuelles qui étaient assez nombreuses, comme je vous ai dit, mais également la normalisation des titres, mettre dans un champ commentaire s'il y avait des ex-libris, des signatures, où se trouvaient les autres exemplaires de cet ouvrage précisément. Il y a eu également un inventaire photographique du fonds 17e siècle qui a été fait par une des stagiaires, donc sur le même principe que celui mené par Romain, avec donc la page de titre, la reliure, éventuellement les ex-libris, le colophon, pour permettre d'identifier l'ouvrage plus facilement sans avoir à retourner systématiquement dans la réserve. Ensuite, les stagiaires ont donc commencé la signalisation de ces ouvrages sur le SUDOC. Le SUDOC, Système universitaire de la documentation, qui est un élément de recherche que vous utilisez peut-être, qui en tout cas est beaucoup utilisé par les bibliothécaires quand vous êtes dans vos recherches, qui donc est un réflexe plus évident que d'aller dans le catalogue de la bibliothèque d'Alfort quand on ne sait pas forcément qu'un fonds ancien s'y trouve. Elles ont commencé, c'est-à-dire qu'elles n'ont fait qu'exemplariser des documents qui se trouvaient déjà dans le SUDOC parce qu'ils sont présents dans d'autres bibliothèques, notamment à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Elles n'ont pas créé de notice, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas les droits pour le faire, et nous non plus. On a le droit de créer des thèses dans le SUDOC,
mais pas des ouvrages. Et également, elles ont travaillé sur la reconstitution de l'histoire du fonds, notamment en passant plusieurs journées, trois exactement, aux archives départementales qui possèdent toutes les archives de l'école et dans lesquelles elles ont retrouvé les inventaires de la bibliothèque à différentes époques, ce qui permet de voir qu'est-ce qui est rentré dans le fonds à quel moment et également qu'est-ce qui en est sorti, puisque malheureusement il y a eu des disparitions dans ce fonds, comme on pourra le voir dans la suite de cet exposé. Lou Ramrani est en train de constituer un tableau synoptique qui permet de voir les différentes, de comparer les différents catalogues à travers les âges, donc pour essayer de voir à quel moment un ouvrage est entré dans la collection. Donc, au niveau du fonds 16e, donc, il comporte 148 titres. Parfois, certains sont reliés dans le même volume, ce qui fait donc moins de volume. Il porte sur des sujets divers. La nature, l'équitation, la médecine humaine, l'art vétérinaire. Évidemment, il n'y a aucun ouvrage écrit par des vétérinaires proprement dit, puisque le vétérinaire lui-même est une création du XVIIIe siècle avec la création des écoles vétérinaires par Claude Bourgelat. Mais par contre, on parle déjà d'art vétérinaire, comme vous allez le voir avec les exposés suivants. Et de toute manière, il y a des hippiatres qui sont des maréchaux ferrants plus qualifiés, un peu comme le barbier chirurgien, qui peuvent écrire sur leur science. Et ce sont donc des ouvrages qui, étant antérieurs à la création de l'école, ne peuvent pas avoir été acquis au moment de la création de l'école, comme une certaine partie du fonds qui est autour des années 1760, dont on comprend qu'elle a été achetée pour constituer la première bibliothèque de l'école. Ce qui posait donc question, comment ces livres sont arrivés dans le fonds. Donc, comme je vous le disais, un tableau synoptique des différents inventaires est en cours, ce qui nous permettra d'avoir une vision un peu plus claire sur chaque ouvrage précisément. Mais néanmoins, dès aujourd'hui, on peut voir qu'il y a de nombreux ex-libris ou de signatures qui apparaissent sur les ouvrages. Aujourd'hui, donc, ces ex-libris et ces signatures sont mentionnés sur le catalogue de la bibliothèque, ce qui est donc un grand progrès par rapport à la situation il y a quelques mois, ce qui fait que si vous cherchez sur le catalogue de la bibliothèque, dans le champ commentaires, la mention d'ex-libris ou la mention de l'auteur d'une signature, vous allez pouvoir essayer de voir tous les ouvrages qui sont signés ou qui portent le même ex-libris. Ce qui donc est un grand progrès. Romain Ménini avait remarqué que l'ex-libris du marquis de Quincy apparaissait très fréquemment. Donc on peut en déduire que beaucoup d'ouvrages du marquis de Quincy sont passés dans le fond. Mais il y a également beaucoup de signatures de Jean-Baptiste Huzard, et donc il semblerait que les ouvrages du marquis de Quincy ne sont pas passés directement de leur propriétaire à la bibliothèque dans le cadre des confiscations révolutionnaires comme on le pensait, mais qu'ils ont transité par Jean-Baptiste Huzard, duquel je vais vous parler un peu plus précisément. Donc Jean-Baptiste Huzard était un des premiers étudiants de l'école vétérinaire. Il est assez représentatif en fait de ce que vont être les débuts de l'enseignement vétérinaire, puisque vous voyez qu'il est fils et petit-fils de maréchaux ferrants, donc quelqu'un qui naît dans une famille qui a des connaissances empiriques sur les chevaux, et dès les premières années de la création de l'école, puisque l'école c'est 1766, donc 6 ans après, il va être scolarisé à Alfort pendant 3 ans. Bourgelat, le créateur de l'école, le remarque, lui propose d'être enseignant à Alfort, ce qu'il va être immédiatement. Et puis, son père va considérer qu'on gagne moins bien sa vie en étant enseignant qu'en étant maréchal ferrant, et va lui demander de reprendre l'affaire familiale. Ce que va faire Huzard. Et puis, très rapidement, il va étendre ses activités. Donc, il va être expert en matière de vis rédhibitoire dans le commerce d'animaux. Il va écrire des traités de jurisprudence à ce sujet. Il va être membre de diverses institutions. Donc, par exemple, vous avez l'Académie des sciences, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, la Société royale et centrale d'agriculture, le Conseil de salubrité du département de la Seine et la Société philanthropique. Donc, quelqu'un de très occupé, ce qui fait qu'il renonce à ses activités de maréchal ferrant et il devient surtout inspecteur général des écoles vétérinaires. Il est également marié à Marie-Rosalie Huzard, qui est imprimeuse et de profession et qui tient la librairie Huzard. C'est une librairie qui est particulièrement importante pour la constitution d'un fonds vétérinaire, puisqu'elle est spécialisée dans les fonds vétérinaires et agronomiques.
Et elle est une véritable plaque tournante des échanges de livres anciens sur ces thèmes et pas simplement un lieu d'édition. Ce qui fait que Huzard, en fait, était au courant des publications de son épouse. Vraisemblablement, il avait un travail de relecture et de conseil scientifique. Et il voyait également passer les catalogues quand il y avait des ventes, ce qui était intéressant pour un bibliophile. Voilà ce qui est dit dans l'ouvrage qu'a écrit son épouse, donc Marie-Rosalie Huzard, en 1839, c'est-à-dire un an après la mort d'Huzard. Notice sur la librairie de la bibliothèque Huzard, puisqu'elle voulait en fait que cette bibliothèque soit rachetée par l'État et redistribuée dans différentes écoles et institutions qui pouvaient être intéressées. Donc elle écrit tous les ouvrages d'agriculture générale ou particulière qui venaient d'une manière ou d'une autre dans la librairie de Madame Huzard et qu'il n'avait point passé de droit dans sa bibliothèque. On y retrouve donc à peu près tous les ouvrages rares d'agriculture qui faisait partie des diverses bibliothèques qui ont été vendues en France dans l'espace d'un demi-siècle. Donc, il était donc bibliophile. À sa mort, il se retrouve à la tête de 40 000 ouvrages. Vous voyez la lettre qu'il écrit peu de temps avant sa mort. J'ai commencé il y a plus de 60 ans à réunir pour mes études une suite d'ouvrages sur toutes les parties de la médecine vétérinaire et des sciences qui s'y rattachent. Cette collection, que je croyais d'abord devoir se borner à quelques ouvrages, est devenue successivement, et par les accessoires, une masse de plus de 30 000 volumes. Il en a rajouté donc 10 000 autres un peu avant sa mort. Ce qui était commencé comme un souci d'instruction de quelqu'un qui venait d'un milieu de Maréchaux-Ferrand et donc se disait qu'il avait peut-être des lacunes, est donc devenu une véritable passion. On sait qu'il passait tous ses dimanches dans sa bibliothèque, qu'il a noté énormément d'ouvrages, et qu'il ouvrait également cette bibliothèque à des chercheurs étrangers lorsqu'ils étaient de passage à Paris. Donc essentiellement la science vétérinaire, mais ensuite ça s'étend à l'agronomie, à l'histoire naturelle, puisque ça porte sur les animaux, la chasse et la pêche toujours en lien avec les animaux, et puis les voyages, parce qu'il est encore question d'animaux quand on voyage dans un pays étranger, et donc l'anatomie comparée. Cette connaissance des livres anciens a fait que, comme il était inspecteur général des bibliothèques, il a joué un rôle important lorsque la bibliothèque d'Alfort est allée se servir dans les dépôts nationaux suite aux au traitement des confiscations révolutionnaires. C'est quelque chose qui nous est signalé ici. Dans le catalogue des livres, dessins et estampes de la bibliothèque de feu Jean-Baptiste Huzard, qui est un ouvrage de Pierre Leblanc, publié une quinzaine d'années après la mort d'Huzard, qui rapporte la notice de Barbier, on trouve à l'école vétérinaire d'Alfort une bibliothèque bien importante pour cet établissement. Elle a été formée en l'an 6 sous le ministère de M. François de Neuchâteau. M. Huzard, membre de l'Institut, connu par sa précieuse collection d'ouvrages sur l'art vétérinaire, a été choisi à cette époque pour diriger les recherches qui ont été faites dans les divers dépôts nationaux de tous les livres ayant un rapport plus ou moins direct avec la science vétérinaire. Et par ses soins, la bibliothèque d'Alfort possède déjà un nombre assez considérable de très bons ouvrages sur la botanique, l'agriculture, l'art vétérinaire, la zootechnie, etc. Cette bibliothèque est actuellement composée d'environ 5000 volumes. Elle a été plusieurs fois enrichie par les dons qui lui ont été faits successivement par les ministres de l'Intérieur. Et elle devient toujours plus nombreuse, le gouvernement consacrant chaque année à son augmentation une partie des revenus provenant des produits du troupeau d'expérience de cet établissement. Les professeurs de l'école vétérinaire y trouvent les ouvrages les plus importants sur les matières qu'ils ont à développer. Les élèves vont y lire et y faire des recherches tous les deux jours, pendant 3 heures. Cette bibliothèque et le cabinet d'anatomie sont ouverts tous les jours au public. Voilà, donc quelques ouvrages dont on sait, en raison de la notice écrite par sa femme et par la liste établie par Pierre Leblanc, qu'ils ont appartenu à Huzard, qui sont présents dans le fond, donc je vous les ai sortis. On sait qu'ils ont appartenu à Huzard parce que, en règle générale, il y a une signature ou des annotations à l'intérieur, mais ce sont également, enfin voilà, les deux inventaires concordent, donc on peut supposer que ce sont des ouvrages qui viennent de chez Huzard. Voilà.